Hey, salut tout le monde, c'est Baba. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc sur Palladium. Donc, épisode 2, troisième intro que je tourne, parce que pour vous expliquer, il me fallait cette arbre-là précisément pour cette vidéo. Donc, comme j'ai eu des problèmes en passant de l'Antarctica à un minage, il a donc fallu que je me dise que je reste sur un minage, je fais mon intro sur un minage, voilà. Donc, alors, pour vous faire simple, donc là, on est sur, on est donc sur, je sais pas quel minage, bon, voilà. Mais, alors, il y a cet arbre-là, hein, précisément, auquel il va pouvoir nous aider pour le programme de la vidéo, que je vais vous expliquer maintenant. Bon, au programme de la vidéo, il y a deux trucs. Construction de la ferme, enfin, début de construction de la ferme. Et comment EP le métier d'alchimiste? Donc, bonjour mon cher petit arbre, c'est pour ça à quoi tu vas servir. Hein. Ne demande pas pourquoi, voilà. T'as ta réponse, ok? Hein? Oui, c'est parti. Donc, c'est très simple. Déjà, il vous faut plein de fioles. Alors, m'expliquez, vous ne demandez pas pourquoi j'ai tout ça dans mon inventaire, c'est pour pouvoir avoir ça. Alors, les fioles, je les ai trouvées au pif, hein, voilà. Clairement. Alors, pour faire des fioles, c'est simple, faut 6 de verre. Ouais, voilà. 2, non, 5 de verre. C'est comme un casque en pala, mais en sens inversé, vous voyez, hein, hop là. Donc, faut 5 de verre. Ensuite, il vous faudra un extracteur, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, voilà le craft. Donc, un palladium bloc, de la sulfurie équateur. Donc, 9 palladium plus, pour la sulfurie équateur, un stick en palladium. Donc, ce qui vous coûtera 2 palas. Ce qui fait un total de 11 palas. Déjà, ça coûte un petit peu cher, je trouve. Mais bon, ça allait en vrai. Ça va. Et puis après, c'est du bois. Donc, ça va. Voilà. Voilà. Est-ce que celui-là, il va marcher, s'il vous plaît? Oui! Alors. Je vais vous montrer comment ça marche à peu près, voilà, je suis level 0, même si j'ai bien EP. Donc c'est simple, vous attendez que notre cher arbre nous remplisse cette fiole de sève. Je sais pas à quoi ça va servir, donc je les stockerai, hein, voilà. Voilà, donc on dirait bien que ça enlève pas mal de sève. Ouais, okay. Good. Hop là, oui! Voilà, donc 72 d'XP. Attendez, hop. Hop, c'est parti. Hop. Touk. Voilà. Il va nous verser une petite goutte. Oui, voilà. Donc c'est très simple. Vous remplissez vos fioles de sève. Hein. Après, je ne sais pas à quoi ça va servir. Hein. Ne me demandez pas à quoi ça peut servir. Niveau de sève, sève de Jacaranda. À mon avis, si de. S'il y a des sèves précises, c'est que ça peut servir à quelque chose. Excalibur. Ouais! Il y a Excalibur sur le cerf. Ok, non mais ok les gars, je sais pas ce que c'était votre délire. Donc, 72 d'XP supplémentaires. Bon, je vais un petit peu EP toutes ces sèves. Ah. Ouais, non, il n'y a plus de place. Ok. J'ai compris. Bon, dites-moi qu'il n'y a pas un clear. Ouais, voilà. Ah, oui, d'accord. J'avais oublié ce petit détail. Voilà, hop là. C'est marrant, comme ça attaque. Ouais, mais non, du coup, je peux pas récupérer mon palladium bloc. Voilà. On va faire un petit peu de place, vous permettez? Voilà. Merci. Je voudrais pouvoir récupérer mon extracteur. Voilà, bon, du coup, je vais remplir un peu toutes ces fioles. On se retrouve juste après. Touk, et voilà. Fais-moi une bonne fiole, là. Oui, donc, ça y est, les gens, je suis level 1 et ça me donne juste de la zone. Ah, non, mais. Ok, un arc en place, un arc prépare, hein, comme on dit. Ça, voilà, bon. Normalement, je peux en mettre une deuxième. Qui va marcher, voilà. Donc, on va remplir toutes nos fioles de sève. Je sais pas à quoi ça peut servir. Après, si ça sert à quelque chose, je vais les garder pendant un moment. Voilà, je vais les garder pendant un moment.
Au moment où je me fais piller, clairement, l'extracteur, je le mettrai dans mon EC, voilà. Mais les fioles de sève, je ne sais pas à quoi ça peut servir, donc je vais les laisser dans ma base. Je ne vais pas considérer comme si c'était important. Mais voilà. Bon, allez. Voilà, donc 66. Ah oui, après, ça donne moins d'XP. Ah, ça fait mal, ça. Non. Comment XP? Une fois qu'on a passé le level 1. 11 XP. Ah, quand c'est au rabord. 11 XP, 11 XP, 11 XP. Pas tout compris. Vous devez être level 5. Breaking. Ok, on peut pas casser. Crafting. Customing. Coltan. Crafter des lingots avec le portal. Ah, c'est quand on sera level 5. Ah, ça va être long ça! Oh, je sens la longue histoire qui va être longue. Ouh, je la sens bien. Bon, j'essaierai de payer un métier à peu près à chaque fois, pas passer un level par vidéo, mais de le payer un minimum. Si j'active pas le truc aussi, voilà. Donc, à peu près, mon but, ce serait qu'on arrive facilement. Peut-être pas le level 2 alchimiste, mais au moins level 3 d'ici un petit peu de temps. Peut-être pas level 2 maintenant, parce que voilà. Mais level 3 d'ici peu de temps, quoi, voilà. Allez, tu vas me la remplir? Oui, voilà. Voilà. 55 d'XP, merci. Hop, une fiole de plus. Tac. Hop, je mets ma terre là. Hop. Donc en vrai, c'est plutôt utile. Bah attendez, hein. Je vais me faire un peu de place, vous permettez, comme ça, quand je vais retirer de la sève de là-bas. Je vais pas dire non. Hop, on va recaler un peu de terre là. Parce que vraiment, si je retire ma sève de ces bouts d'arbres, ça pourrait bien être pratique au cas où. Voilà, donc faut faire un petit peu de terraforming, c'est normal. Bonjour, oui, t'es complet, 30 secondes, je rebouche les petits trous. Voilà, poum. Poup, poup, poup. Voilà, donc viens à moi, voilà. 66 d'XP, c'était gentil, et du coup, cet arbre, il a plus ce que je veux, voilà. Donc, on va prendre ce petit bout-là, hop. On va mettre l'extracteur là, on va mettre une fiole là, et c'est parti, hop là. Donc je vous retrouve après, une fois que j'aurai fini à peu près tout. Si je passe level 2 entre deux, bah je vous informe, et puis voilà, bah sur ce, à tout de suite. Hein. Tac, donc je récupère. Hop. Il me reste plus que 3 fioles à faire après. Et là, j'ai plutôt bien avancé. Pour ce qui est du métier d'alchimiste, plutôt bien, ouais, j'ai plutôt bien avancé, je trouve. Il me manquerait plus que je passe level 2 d'ici peu. Peut-être la prochaine vidéo, j'essaierai, et puis voilà. S'il y avait du sable, j'hésiterais pas à le farmer un peu. Ah ouais, pour les fioles, ce serait sympa. Tac, il y a un peu de sable là, bah, je vous emprunte ça. Hein, voilà. Parce que moi, perso, j'ai besoin de fioles. Ce qui coûte un peu chiant pour trouver du sable en ce moment. Parce que j'ai eu du mal à en trouver pour mes premières fioles. Hop là. Avec mon jump change play. Oups. Ah non. Donc. Ah ok, il y en avait encore. Ouais non, il n'y en a plus. What?
Ah, merci. Voilà. Hop, allez, allez, allez. On va prendre quoi comme dernier bout? Ah, voilà, tiens, voilà, hop. Youp. Et j'ai 20 subs, c'est parfait. Non. Il n'en avait plus. Non. Mon extracteur. D'accord, il n'y en a plus. Ouais, donc un mec a dû commencer à passer par là. Il n'y en a pas un plus loin. Ah bah si, il y en a un là-bas. On va en profiter. Qu'il y en ait un là. Et pour la dernière fiole, je vais galérer, mais à mort. J'aurais bien galéré pour la dernière fiole. Ah bah c'est bon. Hop. Donc, re tout le monde, voilà. Bon, alors j'ai vite fait changer d'arbre parce que j'en trouvais plus là-bas. Donc, bah, je me suis mis là, j'ai pris vite fait cette jolie bûche. Hein, bonjour. Donc, en résultat des courses, on est à peu près la moitié, non, un petit peu moins, quoique si. Ah, je sais pas. Attendez, bah, je vais vous dire. Pourtant, c'est un calcul en plus fin. Normalement, je crois que ça fait 1200. Non. 5 fois 5, 25, ben ouais, 1225, ouais. Enfin, ça doit faire un truc comme ça dans les 1200 ou 1300. Donc on en doit être à la moitié. Fois 2, ça fait 1110, ouais, donc on n'est pas très loin de la moitié. On est vraiment à quelques XP près, on est à la moitié. Donc, bah, j'ai trouvé ça plutôt, enfin, c'est chiant, attends, faut le dire. Mais bon, clairement, ça déjà, je sais pas ce que je vais en faire de tout ça. De tout ça, je sais pas ce que je vais en faire. Donc, clairement, c'est long. J'essaierai un minimum d'avancer par vidéo sur ce métier parce que, enfin, c'est juste histoire de prendre du sable dans le craft, de faire cuire du sable pour avoir du verre.
Puis une fois que bah, t'as le verre, t'es tranquille, quoi. Enfin, voilà. Fois que t'as fait que le verre, t'es tranquille, quoi, c'est ça. Donc tu peux crafter je sais pas combien de fioles, et puis après, bah, l'extracteur, quand tu l'as, quoi. Donc en vrai, j'ai regardé, je vais vous informer, je vais m'informer un peu plus. Pour ce qui est du métier de farmer, vous me dites pourquoi je me mets pas à farmer le métier de farmer pour les graines en mendium, justement, c'est le but. J'attends un minimum que le métier de farmer, bah, que tout le monde ait un petit peu épais, par exemple, qu'il y ait un minimum de monde, enfin qu'on voit des vidéos comme, je sais pas, peut-être pas Fuse, mais Mirolam s'il refait des vidéos, Blutch, Warren, enfin voilà, si ils font des vidéos, enfin, si on les voit à peu près level 10, des trucs comme ça, là je m'y mettrai parce qu'il y aura beaucoup de monde qui commenceront à avoir des patates, des machins. Donc voilà, là en plus je dois EP avec du blé, de la carotte et des pommes de terre. Bon, les pommes de terre, je vais pas commencer par ça parce que je le sens qu'à la fin je vais péter un plomb par des pommes de terre. Après, il y a la pastèque aussi. Après, il y a les graines en améthyste. Après, c'est les graines en titane, graines en palladium. Et je crois que ça a l'air d'être la graine en endium. Voilà. Après, c'est aussi en craftant du pain qu'on gagne de l'XP. Smelting, c'est quand tu fais cuire de la pomme de terre. Ouais. Donc voilà comment à peu près je vais EP petit à petit. Clairement, je le dire clairement, une vidéo sera faite pour chacune des graines. Donc ça veut dire que ça soit la graine pour l'améthyste, la graine pour le titane, la graine pour le pala, et bien sûr la graine pour l'endium. Donc je ferai à peu près une vidéo pour chacun d'entre eux. Hein. Voilà. Je vais surtout beaucoup upper le métier d'alchimiste en premier parce que ça a l'air d'être un minimum facile. Voilà. Une fois qu'il sera upper, on débloque l'améthyste portail Kale. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Après, il y a le titane portail King. Voilà. Aucune sève stockée. Donc, il y aura, à mon avis, il faudra mettre de la sève. Donc, à mon avis, il va falloir que je garde ça. Donc d'un coup là, ça a l'air un petit peu plus important. Je garderai deux fioles dans mon EC, peut-être. Enfin, si j'ai de la place. Ensuite, on peut débloquer quoi? Le Palladium Portal King et l'Ondium Portal King. Ah! Ah oui! Ah oui. Attendez, Palladium Portal King. On va faire des recherches sur ça, vite fait. Palladium Portal, je le vois pas. Vous le verrez peut-être parce que machin. Voilà. Alors, Palladium Portal bloc. Ah, c'est peut-être pour la dimension, pas là. Et ça vous. Qu'est-ce que c'est que c'est? Juste, c'est quoi, Shinin Hiral Wood? Je sais pas ce que c'est ça, mais il faudra voir. Ensuite, la lighting potion. Comment ça se craft? On ne sait pas. Ce qui est sûr, on compresse palladium. Ah! Oui! Ok! Non mais, ok! Deux épées en pala. Donc, j'essaierai de prévoir pour vous montrer ça. On attaquera d'abord sur ce qui s'appelle l'améthyste Portal Key. Ça va être simple. Hein, hop. Ah, mais. Ah, je sens que je lag. Améthyste Portal King. Hop. Ouais, donc il faudra encore des lighting potions, sauf qu'il faudra un compresse améthyste. Ça peut aller, je m'en fous un peu, quoi. Voilà. Et après, il faudra deux épées en améthyste et des sticks en améthyste, qui commence à avoir des utilités, les sticks, hein, parce que je trouve que les sticks en améthyste, il n'y avait pas du tout d'utilité, je vais être clair avec vous. Donc voilà, donc clairement, on essaiera de voir ça, je me renseignerai auprès d'un modo pour en apprendre plus sur ça, c'est quoi l'objectif au juste. Donc on essaiera aussi, attendez, hop, pour ce qui est.
Parce qu'il y a un truc que j'ai pas vu peut-être. Ah, mais comment ça s'écrit? Voilà, je m'en doutais, il y a ça. Et ça, voilà, c'est quoi les Shinin Jangandora Donc ça, clairement. J'essayerai de d'avoir des infos parce que, à mon avis, on va essayer. Hein. Est-ce que ce serait pas avec un Jangandara? Il y a un rapport à y attendre. Jangandara Wood et là. Jangandara Wood. Oui, là, c'est la sève de l'autre arbre et là, c'est la sève d'un autre arbre. À mon avis, il va y avoir un rapport avec tout ça et à mon avis, ça va avoir un rapport avec nos potes les feuilles là-bas. Et je sens qu'on va devoir se marrer à prendre des cisailles. Je le sens. Ouais, non, mais je le sens, les gars. Donc, ben, on va voir ça au fur et à mesure du métier. Mais bon, plutôt grande découverte pour le métier, je trouve. Parce que. Alors, je ne savais pas que. Enfin, je crois qu'à un moment, Fuse parle de la dimension Landium, mais je ne savais pas qu'il y avait une dimension en améthyste, en titane et en palladium. Parce qu'à mon avis, il va falloir ça. Je ne sais pas à quoi ça va servir, cette dimension. Mais j'essaierai d'être le premier à découvrir ces jolies dimensions. Hein, non, parce que clairement, voilà. Donc, je vais essayer de les découvrir, pour découvrir à peu près ça. Je vais essayer de farmer pas mal pour arriver level 5. Par contre, ça va être long, mais crafter des fioles, des fioles, des fioles, des fioles. C'est bon, je vais plus pouvoir voir de fioles après, mais bon. Hein. Je vais essayer de monter level 5, après, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen par hasard qu'on se débarrasse, je sais pas, de la sève? On peut la refiler à un arbre ou pas? Ah, ce serait bien ça, si on pouvait. Non, on peut pas. Ouais, bah. Je ne sais point. Écoutez, hop, toi tu restes dans mon inventaire et toi tu restes là parce que tu m'as l'air d'être important. Donc je te mets dans mon EC, la Jagadara, la Jangadara. Donc je vais essayer de plus en découvrir par rapport à ça, de demander un peu plus à un modo, voir s'il en sait plus que moi pour ce qui est. Parce que je vais monter pas mal et je vais leur dire que quand je vais être level 4 à peu près, je vais aller les voir. Je vais leur dire que je suis level 4 et que je vais pas tarder à passer level 5. Oui, je dirais une réalité, techniquement, parce que j'essaierai au moins d'être à la moitié du level 5. Enfin, du level 4, et je leur dirais, ben, je vais pas tarder à monter level 5, et j'aimerais à quoi ça va servir le portail Kay Améthyste, puisque j'aimerais bien en faire une vidéo. Voilà, donc je vais dire à peu près la réalité de ce qui m'attend. Hein, voilà. Ah, j'avais pas vu que j'avais le soin amélioré, ça, tout à l'heure je l'avais pas, je sais pas pourquoi. Bon, écoute. Donc, bah, je vous laisse pour le début de construction de farm, sur ce, bah, à toutes, hein. Donc sur ce, bah tout. À tout de suite. Donc tout le monde, c'est Vaba. Donc bon, on est sur un serveur minage, hein, voilà, je vais pas vous le cacher. Ouais, j'ai mon saut amélioré. Voilà, je me pose des questions des fois parce que un coup sur deux je l'ai, je sais pas trop pourquoi. Vous allez voir, hop, poup, voilà. Bon. Je suis level 3 alchimiste, enfin level 2, presque 3, hein. Sinon ce serait pas drôle. J'ai plutôt bien farmé pour le level 2, donc. Alors, vous allez me dire comment t'as fait, c'est simple, je très vite. Voilà, hein, crafting. Vous craftez un extracteur, ça vous fait déjà 3 XP, et vous craftez une fiole vide, ça vous en fait 6. Ensuite, vous faites un petit peu vos calculs. Un petit peu, hein. J'ai pas fait de sève, 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 sève. Hein, voilà, j'ai pas rempli les fioles de sève. J'ai juste. Voilà, vous allez voir, hein, Vaba 2004 Paladin. Donc, j'ai pris du sable, j'ai fait à la fuse, hein, et j'ai fait fournace, craft, puis c'est parti, hein, voilà. Donc, je trouve ça plutôt rapide et efficace. Bon, là, je pars pour une session de minage parce que. Voilà, je suis level 4 et je voudrais au moins passer level 5 d'ici peu. Mon but, ce serait vraiment de passer le plus tôt rapidement level 5. Forcément, j'ai des bugs. Ah non, là, il y a carrément eu un rollback, donc c'est pas moi. Donc, forcément, j'ai EP beaucoup le métier d'alchimiste. J'ai pas beaucoup le EP parce que je croyais être le seul à m'attaquer dessus un peu, mais tout le monde s'y est attaqué, tous les youtubeurs. J'ai fait, ah!
Donc pour le coup, c'était pas trop. Voilà, j'étais en mode ah! Donc j'ai fait bon, on va pas s'attaquer à ça. Bon, sans le vouloir, parce que j'ai chassé un peu des vaches, bah, je suis passé level 1 en métier de hunter, hein, voilà, en chassant un peu des vaches. Donc bah, facilement, voilà, hein, après, il y a je sais pas combien de level à faire en tant qu'hunter. Ça, on va de. Après, le métier de farmer, j'ai pas tardé à m'y attaquer non plus. J'ai commencé un tout petit peu à m'y attaquer. Et j'ai commencé la farm. Alors, c'était prévu que vous voyez la construction un peu de ma farm, sauf que manque de pot, j'ai fait le rec et le rec a crash. Donc, regardez 30 secondes ma tête, quand j'ai vu, enfin, regardez 30 secondes la tête que, enfin, vous n'allez pas voir ma tête, mais vous auriez vu ma tête, j'étais là, j'étais en mode, ah! Ok, non mais, je vais péter un plomb. Donc, bah, du coup, enfin, j'ai fait deux étages, bon, le deuxième, il n'est pas tant fini que ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le premier, il est fini. Entièrement. Ensuite, mon but, ça va être de miner là, parce que grande session de minage, c'est parti. Avec le hang glider, je peux aller très loin, donc c'est mon but. Voilà. Bon, là, ça aurait été marrant, je récupère tout le sable et là, je me fais masse XP. En vrai, j'aurais tellement pu faire ça, bon, je le ferai peut-être une prochaine fois, un truc comme ça. Voilà. J'irai. Ah! Ça me saoule quand. Ouais, à mon avis, je charge encore la map, moi. Ah, je déteste ça quand c'est moi qui charge la map alors que je croyais qu'elle était chargée. Donc le métier d'alchimiste, on va pas trop s'y attaquer niveau vidéo, on va plus s'y attaquer hors caméra. Je vous montrerai quand je passerai level 5, level 6, level 7, level. Enfin, quand je passe à peu près tous les 5 levels, les trucs les plus importants à vous montrer. Voilà, donc bah, je vais pas montrer grand-chose en fait. J'avais prévu de tout montrer et puis bah, je vais rien montrer du tout. C'est un peu ce qui va se passer. Pour ce qui est du métier de farmer et de mineur, je compte bien. Ça me saoule quand ça bug comme ça que je passe de 20, 30 FPS à 0 FPS, sinon c'est pas drôle. Donc pour le mé. Non mais. J'ai une perte d'FPS quand ça. Sur Palladium, c'est pas possible quoi, ça me saoule. Je tourne environ à part sur les spawns, dans d'autres serveurs, je tourne environ pas loin des 60 FPS et sur Pala, je ne tourne jamais à. Je suis toujours à 30, 31, 32, mais je vais pas au-delà. Je suis jamais allé à 60 FPS. Ouais, j'ai l'impression de me faire prendre pour un boulet là. Bon. Donc voilà, hein, on va un petit peu plus. Donc on va gentiment un petit peu. Je vais partir miner pendant un bon moment. Enfin, sur les serveurs minage, parce que je risque de déco, de me reco. Donc je vais aller sur un autre serveur. Je sais même pas sur quel serveur minage je suis. Donc voilà. Hein. Donc moi je vous laisse pour après, pour l'outro, je pense. Puis voilà. Hein. Enfin, je sais pas, je vais voir. Bon, allez, à plus. Enfin, à toutes, du coup. Donc, tout le monde, c'est Baba. Bon, alors, on se retrouve à peu près quand je vous ai fait le rec de montrant mon level en alchimiste. Bah, bonne nouvelle, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà comment j'ai un petit peu. J'ai juste un tout petit peu farm, hein, enfin, voilà quoi. Un tout petit peu, j'ai gagné pas mal d'XP, je trouve. Enfin, non, mais voilà. Bon, clairement, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est. Je vous jure, je vais péter un plomb. J'ai farmé pendant presque 3-4 heures. Je vous dirais bien, hein, facile. Bon, par contre, je perds tous mes FPS sur le Minaria comparé à déjà Antarctica. Donc c'est là que je ne compte le même point. Hein, voilà. Bon. On va aller sur le Saria puisque je ne me suis jamais connecté dessus. Sur Fantasia, je crois que je me suis co une fois. Est-ce que cette fois je vais pas perdre tous mes FPS? Dites-moi que oui. Ah oui, j'aime bien le Saria en vrai. Voilà, bon. Bon, alors, bah clairement, j'ai pas tout compris parce que j'ai farm pendant je sais pas combien de temps. Hein, non mais voilà. Ah non mais. Voilà quoi, non mais. Oh! Faut arrêter d'abuser! J'ai farmé presque pendant 1 heure. Voilà où j'en suis. Hein, non mais. Là, il me faut une explication. Hein. Non, parce que je vous jure que j'en ai bavé pour en arriver juste là. Hein. Pour moi, j'avais l'impression. Donc, mon objectif d'arriver level 5, je vous jure, j'aurais pas eu le grade. J'aurais pas eu le grade en. J'aurais pas eu le grade en.
comment on dit ça? Le grade, comment on dit ça? Le grade paladin, voilà, merci. Je vous jure, j'aurais jamais pu EP, hein. J'aurais laissé tomber, je me serais. Ouais. D'accord, cher, c'est ok. Floss, oui. Non. Naruto, run! Je veux du Naruto. Okage! Ah, la Naruto. Ouais, non, mais enfin, voilà, ok, non, mais. Bon, enfin, voilà, pour vous dire que comment j'en ai bavé, hein, pour arriver jusqu'à ce level-là. Donc, clairement, j'espère que pour le prochain épisode, de toute façon, je vais pas re-rec, peut-être avant demain, enfin, j'en sais rien. Je vais peut-être pas rec avant demain, hein, parce que, voilà. Je vais peut-être pas rec avant demain. Parce que demain, je prévois déjà de me faire le montage et la minia, parce que voilà, hein, la minia, c'est très important. Donc, après, on va plus s'attaquer au métier d'hunter. J'ai fait un peu de farm pour le métier d'hunter. Enfin, voilà. Bon, c'est. Je suis level 1, mais je l'ai à peine farm. Enfin, j'ai tué des mobs et des mobs et des mobs, hein, voilà. Donc, on va plus s'attaquer au métier d'hunter. Après, on s'attaquera au métier de mineur, sauf que je pense que je vais pas beaucoup m'y attaquer parce que je me suis un tout petit peu attaqué au level 1. Je vais pas vous montrer mes séances de minage. Enfin, voilà, à moins que vous le demandiez. Si vous le demandez, je vous le ferai, hein, bien sûr. Arrêtez de me gueuler dessus. Hein. Pour ce qui est du métier de farmer, on s'y attaquera dans un petit moment parce que voilà, hein, j'ai pas envie de m'y attaquer tout de suite. Quand je vais vouloir m'attaquer au métier de farmer, je vous ferai signe, on va dire. Ah oui, c'est des quêtes, ça, c'est pour les quêtes, ok, j'avais pas compris. Donc, il permet à l'améthyste Sius Planter, les graines en titane, enfin voilà, tout ça. Et alors, le totem de fertilité, qui est débloqué au niveau 13, ça au level 16, ça au level 18, voilà. Et les orange seeds. Alors. Après, je vais pas vous le cacher, il y en a pour des heures de farm. Je compte bien farm le métier de farmer en premier, parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir de l'andium. Plus j'aurai de l'andium, mieux on avancera. Alors forcément, le full andium, j'en ai rien à foutre. Non mais clairement, hein, je vais vous le dire clairement, c'est. Je suis désolé d'être vulgaire, mais le full andium, j'en ai rien à faire, quoi. C'est pour moi. Fullandium, c'est juste un défi que se représente pour beaucoup, je dirais bien, les youtubeurs, quoi. Enfin, voilà. Moi, pour moi, ce que je considère un peu con, mais c'est un objectif que je me suis lancé, c'est pour un petit peu me dire que j'ai jamais eu le Fullandium et je compte jamais l'avoir, hein, mais je m'en fous. Mon but, ce serait d'avoir un Andium Seed Planter en premier. Une fois qu'on aura ça, on verra ce qu'on fait de l'Andium restant. Enfin, voilà. On se craftera l'andium pickaxe, donc la pioche en andium, l'andium dynamite, parce que j'ai qu'une envie, c'est de la tester en tant que joueur. Ensuite, ça débloque quoi ça au juste? Oui, non, mais gars, en fait, je te dis, l'épée en andium, je pense, et peut-être après, on verra pour l'armure. Après, je vous promets pas que je vais faire l'armure parce que c'est pas trop mon truc, enfin, voilà quoi, non, mais. Pas vraiment mon truc de faire l'andium. Après voilà, hein, je ferais peut-être le casque ou un truc comme ça, mais voilà. Bon, si je le fais, voilà, hein, voilà. Mais pour l'instant, je considère que voilà, j'ai pas trop envie de faire l'andium, enfin de farmer l'andium comme un ouf, mais d'avoir des objectifs tout con, tout bête pour l'andium. Parce que faut me donner une raison que j'ai envie d'avoir l'andium. Parce que sinon le métier de farmer, pour moi, j'en ai rien à faire, quoi. Donc je me donne une raison de le farmer. Alors après, vous allez me dire, ben pourquoi tu prends pas, tu farmes tout simplement pas tous les métiers level 20 comme tes quêtes. Alors, mes quêtes, pour moi, c'est. Enfin, pour moi, les quêtes que j'ai, c'est de farmer tous les métiers level 20. Oui. Sauf que bah après, une fois que j'aurai de l'andium, parce que clairement, je vais avoir des andium nuggets, je vais avoir des machins. Voilà. Je verrai. Après, voilà, je verrai. Hein.
Donc, après le métier de farmer, je ne sais pas si je vais m'y attaquer énormément en vidéo, ça c'est sûr. Le métier d'alchimie, j'essayerai de vous montrer quand je serai level 5, 10, 15 et voir les évolutions. Donc moi, je vais vous dire, c'était Babad pour une prochaine vidéo, pour de prochains lives. Sur ce, à plus.